Elle fut le fleuron de l'urbanisme des Trente Glorieuses. Autrefois, la ville la plus jeune de France. Aujourd'hui, Bagnols-sur-Cèze est une ville qui se meurt. Des installations municipales que l'on abandonne. Un musée de peinture dont on a oublié le nom. Un patrimoine en péril et un mobilier urbain délaissé. Une voirie en piteux état qui menace la sécurité des enfants et des passants. Les magasins et les boutiques dont les rideaux de fer s'abaissent chaque jour un peu plus. Malgré ses promesses de beauté, voilà une ville à l'hygiène douteuse. Comment attirer les entreprises et les visiteurs? Même le train ne s'y arrête plus.